paleoclimatic, paleo science in these areas, in this country, is not so good. It's necessary to have a special expedition. But Soviet scientists prepared this scenario, use American, European, and Soviet data. But for paleoclimatic scenario, it's more difficult to obtain the estimates on these areas. I'm pity. Thank you very much. Je suis toujours à côté de moi. Depuis le temps, je ne t'ai pas vu. Les romans policiers. Oui. Vous aimez les romans? Oh, vous aimez? Toi vous aussi, aimez? Tu es notre fille. Oui, vous tu es jalouse. Ouh, qu'elle est jalouse. Oui. Excusez-moi, enfin, je vais voir ce qui se passe dans la cuisine. Robert et Mireille font semblant de ne pas se connaître. Ça dépend. Que font Robert et Mireille quand Madame Courtois les présente l'un à l'autre? Oui, enfin, ça dépend. Ils font semblant de ne pas se connaître. Vous aimez les romans d'amour? Maintenant, les Courtois ne devront jamais découvrir la rencontre de mercredi. Je déteste ça. Qu'est-ce que les Courtois ne devront jamais découvrir? Est-ce que l'étudiant aime les romans d'amour? La rencontre de mercredi? Non, il déteste ça. Que la vie est compliquée. Qu'est-ce que l'étudiant déteste? Excusez-moi. Je vais voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous dans aimez? La cuisine. Qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi Madame Courtois se lève-t-elle? Les romans d'anticipation? Les romans d'anticipation? Pour aller voir ce qui se passe dans la cuisine. Non, je n'aime pas. Robert et Mireille restent seuls. Mais Monsieur Courtois arrive juste à ce moment-là. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Le travail, vous savez ce que c'est. Madame Courtois revient de la cuisine. Vous préférez... Bonsoir, Lily. Les romans policiers. Comment ça va? Les romans policiers. Bonsoir, ma petite Mireille. Vous préférez... Je suis content de te voir. Les romans policiers. Vous préférez... Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les études? Ou un amoureux? Je préfère. Et voilà notre jeune Américain. Justement, j'irai aux États-Unis en septembre. Il faudra me donner des tuyaux. Mais en attendant, vous prendrez bien quelque chose? Voyons. Mademoiselle, vous aimez les romans? Qu'est-ce que je peux vous offrir? Whisky, Campari, Caès, Banyuls, Pastis, Porto. Moi aussi. Un doigt de Porto, s'il vous plaît. Et toi, ma petite Mireille, qu'est-ce que tu prendras? Eh bien, un petit pastis bien tassé, comme d'habitude. Et toi, Bibiche, qu'est-ce que je te donne? Moi, je prendrai une larme de Xérès. Monsieur Courtois se sert généreusement de scotch, avec un petit glaçon et très peu d'eau. À la vôtre. Justement, on va voir un crime. J'irai aux États-Unis. Je ne sais pas. Peut-être. En septembre. Continuons. Quand Monsieur Courtois doit-il aller aux États-Unis? Commençons par le jeune homme. En septembre. Vous n'aimez pas les romans. Il faudra me donner des tuyaux. Vous n'aimez pas les romans. Qu'est-ce qu'il veut demander à Robert avant de faire ce voyage? Vous préférez le cinéma? Vous préférez des tuyaux? Mais en attendant, vous prendrez bien quelque chose. Vous prendrez bien quelque chose. Non. En attendant. Pas les romans. En attendant. Qu'est-ce que l'étudiant préfère? Voyons. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Le cinéma. Elle préfère. Whisky, Campari, Xérès, Banyuls, Pastis, Porto. Les comédies. Xérès, vous n'aimez Banyuls, pas les comédies. Pastis, Porto. Bah, moi non plus. Moi que non sont plus. Le Banyuls, le Pastis, le Porto? Je préfère les tragédies. Je des apéritifs. Tragédies. Un doigt de Porto. Les drames. Qu'est-ce que Robert prend comme apéritif? Les histoires de crimes. Les histoires. Un de doigt crime. De Porto. Les histoires. Eh bien, moi, un petit pastis, j'adore. Bien tassé, comme j'adore. D'habitude. J'adore. Un petit pastis. J'adore bien tassé. Les histoires de crime. J'adore les histoires de crime. Et Mireille, que prend-elle? Moi aussi.
Un petit pastis bien tassé. Moi aussi. Oh, moi, je prendrai une larme de Xérès. Pas les comédies. Qu'est-ce qu'elle préfère ? Monsieur Courtois se sert généreusement de scotch avec un petit glaçon et très peu d'eau. Les tragédies, les drames, les histoires de crimes. Et Madame Courtois ? Qu'est-ce que l'étudiante adore ? Une larme de Xérès. Et Monsieur Courtois ? Les histoires de crimes. Est-ce qu'on va avoir un crime dans l'histoire ? Est-ce qu'on du va scotch avoir avec un petit un glaçon crime et très peu d'eau. Avoir un crime. La conversation avoir s'engage. Un crime. On parle d'abord du temps, est-ce puis de la circulation à Paris, de la situation internationale. Monsieur Courtois reprend du scotch, puis on revient à Paris, au restaurant de Paris, au libre-service, au fast-food, que Monsieur Courtois déteste. C'est un scandale. On va voir. Voir ça en France, quelle honte. Bon, tu sais, c'est pas pire que les restos U. Les restaurants universitaires ne servent peut-être pas de la haute cuisine, mais au moins ce sont de vrais repas, équilibrés. On parle d'abord du temps, puis de la circulation à Paris. Par le jeune homme. De la situation internationale. Il arrive en France. Monsieur Courtois reprend du scotch et puis on revient à Paris. On revient à Paris. Au restaurant de Paris. Au libre service. Au fast food. De quoi parle-t-on ? Maintenant, il est à la douane avec deux autres jeunes gens. Vous êtes français tous les trois ? Non, mademoiselle et moi, du temps, de la circulation à Paris, de la situation internationale. Enfin, on passe à table vers 20h30. Heureusement, parce que Robert commençait à mourir de faim. Bien, mais je crois qu'on peut passer à table. Voyons, Robert, ici à ma droite. Mireille, tu te mets là. Conception, quand vous voudrez. La bonne apporte le potage. Ah, du potage. Oui, c'est-à-dire non, c'est du gazpacho. C'est une spécialité de Conception. Vous savez, ce sera très simple. Truite, gigot, fromage et dessert, c'est tout. C'est délicieux. Conception, votre gazpacho est délicieux. Puis la bonne apporte les truites et Monsieur Courtois sert le vin blanc. Un peu de vin blanc, c'est le chablis que tu aimes, le mouton. Une bonne petite truite. Ah, je crois que c'est le poisson que je préfère. Monsieur Taylor, vous ne buvez pas. Regardez Mireille. Moi, j'ai un faible pour le chablis. Il arrive. Enfin, on passe à table vers 20h30. Vers 20h30. Il est à l'aéroport. On passe à table. L'aéroport. Enfin, on passe à table à vers 20h30. À l'aéroport. À l'aéroport. Qu'est-ce qu'on fait vers 20h30 ? Il est à l'aéroport. On passe à table. La bonne apporte le potage. Où est-ce que le jeune homme arrive ? Le potage. La bonne apporte le potage. Où est-ce qu'il est ? C'est du gazpacho. C'est à du gazpacho. Il passe. Qu'est-ce qu'on sert pour commencer ? La police. Il passe la police. Du potage. Puis la bonne apporte les truites. Les truites. Puis la bonne la apporte police. Les truites. Allez-y, allez-y. Vous pouvez passer. Allez-y. Qu'est-ce qu'on sert allez-y. Après le potage ? Vous pouvez passer. Vous pouvez. Les truites. Bibiche, un peu de vin blanc ? Vous pouvez passer. C'est le chablis vous que tu passer. Aimes, le mouton. C'est le chablis non, que il tu est aimes. À la douane. La douane. Le mouton. Maintenant, il est. À quel la vin sert-on avec le poisson ? Maintenant, un chablis, le mouton. Maintenant, moi, j'ai un faible pour le chablis. Moi, j'ai un faible pour le chablis. Où est-ce qu'il va après la police ? Mireille a fini son verre de chablis. Pourquoi ? À la douane. Il est à la douane. Parce qu'elle a un faible pour le chablis. Conception apporte le gigot avec des haricots blancs, des haricots verts et des pommes de terre sautées comme légumes. Je crois que je vais vous servir, ce sera plus simple. Avec qui est-ce qu'il est ? Ah, monsieur Taylor, bien cuit ou saignant ?
une jeune fille. Bien cuit, s'il vous plaît. Bien. Vous êtes. Tiens, Mireille. Tu veux te servir de haricots ? Vous êtes français ? Robert, servez-vous de pommes de terre, si vous voulez. Avec le rôti, M. Courtois sert un Bordeaux rouge, un Léoville Lascaz 1966, que tout le monde goûte dans un silence religieux. Nous sommes Américains. Ce gigot est fameux. J'ai un petit boucher qui me sert très bien. Il a toujours de la très bonne viande. Robert, un peu de salade ? Après la salade, le fromage. Et avec le fromage, un Bourgogne rouge, un Chambertin Clos de Bèze 1976. Repas simple, mais bien composé, qui se termine par une crème renversée. Conception, attention de ne pas renverser la crème renversée. C'est le dessert préféré de Mireille. Conception apporte le gigot. Le gigot. Elle apporte le gigot. Avec des haricots blancs. Bien sûr, puisque nous sommes américains. Des haricots verts. Bien sûr, puisque nous sommes américains. Et des pommes de terre sautées. Des pommes de terre sautées. Des haricots blancs, des haricots verts et des pommes de terre sautées comme légumes. Comme légumes. Et vous êtes américain aussi ? Ah non, non. Qu'est-ce qu'on sert après le poisson ? Nous sommes américains, mais moi, je suis brésilien. Moi, je suis brésilien. Moi, je suis brésilien. Le gigot, avec des haricots blancs, des haricots verts et des pommes de terre sautées comme légumes. Avec le rôti, M. Courtois sert un Bordeaux rouge. Un Bordeaux rouge. Non, il est brésilien. Avec le rôti, M. Courtois sert un Bordeaux rouge. Vous pouvez passer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Un Léoville Lascaz, 1966. Un Léoville Lascaz, 1966. À la cité universitaire. À la cité universitaire. Quel vin, Monsieur Courtois, sert-il avec le gigot ? Universitaire. La cité universitaire. Un Bordeaux rouge, un Léoville Lascaz 66. Ce gigot est fameux. Fameux. Ce gigot est fameux. La maison brésilienne. Comment Mireille trouve-t-elle le gigot ? Fameux. Après la salade, le fromage. Le fromage. À la cité universitaire. Après la salade, le fromage. Il y a une maison brésilienne à la cité ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on sert après la salade ? Une maison brésilienne. Le fromage. Une crème renversée. Une crème renversée. Pour les étudiants brésiliens. C'est le dessert préféré de Mireille. C'est le dessert préféré de Mireille. Pourquoi Madame Courtois sert-elle une crème renversée ? Une maison suédoise. Pour les Suédois. Pour les Suédois. Parce que c'est le dessert préféré de Mireille. Pour les Suédois. Monsieur Courtois organise pour Robert un tour de France touristique et gastronomique. Il faut aller à Lyon. L'ancienne capitale des Gaules. L'ancienne capitale des Gaules, l'ancienne capitale des Gaules. Non, c'est surtout la capitale gastronomique de la France. Vous y mangerez magnifiquement. Si on passait à côté pour prendre le café. Oui, il faut aller en Bourgogne, à Dijon. J'y ai mangé un jour des œufs brouillés au truffes. Une merveille. Ah, et en parlant de truffes, il faut absolument aller en Dordogne. Oui, c'est très beau. La vallée de la Dordogne, le Périgord. C'est plein de grottes préhistoriques. Lascaux, les Aisies. Ouais. Oui, c'est intéressant si tu veux, mais pour les truffes, les foie gras. Les confits de bois, les sœurs. Vous trouverez pas mieux. Tenez, Robert. Goûtez cet armagnac. Je crois qu'il vous plaira. 50 ans d'âge. Vous m'en direz des nouvelles. Ancienne capitale des Gaules, ancienne capitale des Gaules, c'est surtout la capitale gastronomique de la France. Lyon, c'est la capitale gastronomique. À la maison américaine.
C'est surtout la capitale gastronomique de la France. Vous y mangerez magnifiquement, magnifiquement. Vous y mangerez magnifiquement. Est-ce que les hommes américains vont à la maison américaine ? Pourquoi M. Courtois conseille-t-il à Robert d'aller à Lyon ? Non, il ne va pas à la cité. Je vais au quartier latin, au quartier latin. Parce que c'est la capitale gastronomique de la France et qu'il y mangera magnifiquement. Si on passait à côté pour prendre le café, pour prendre le café. Au quartier latin. Si on passait à côté. Si on passait à côté pour prendre le café. Est-ce qu'on prend le café à table ? Non, on passe à côté, au salon. Et puis, il faut aller en Bourgogne, à Dijon. Il faut aller à Dijon. J'y ai mangé un jour des œufs brouillés aux truffes. Ah, une merveille, une merveille. J'y ai mangé un jour des œufs brouillés aux truffes. Des œufs brouillés aux truffes. Ça va être un roman. J'ai mangé un jour des œufs brouillés aux truffes. Oh, ça va être un roman de science-fiction. Qu'est-ce que M. Courtois a mangé une fois à Dijon ? Let's go on. For our story, we will choose a young man. Des œufs brouillés aux truffes. Ah, c'est très beau, la vallée de la Dordogne, le Périgord. La vallée de la Dordogne, le Périgord, c'est très beau. Le jeune homme arrive à... Mais pour les truffes, les foie gras, les confits d'oie, les cèpes, vous ne trouverez pas mieux. Les truffes, les foie gras, les confits d'oie, les cèpes. Où trouve-t-on les truffes ? En Dordogne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Dordogne ? Des foie gras, des confits d'oie, des cèpes. Ça va être un roman d'aventure. Robert est légèrement agacé par l'obsession gastronomique de M. Courtois. Il cherche un moyen de s'échapper au plus tôt, aussi poliment que possible, et si possible, avec Mireille. J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... Ça fait combien entre New York et ici ? 5 heures ? 6 heures ? 6 heures. Je tombe de sommeil. Oh, mais il est déjà 1h30, mon Dieu. Il faut que je rentre, moi aussi. Quel délicieux repas. Et quelle charmante soirée. Je ne sais comment vous remercier. Mais ne partez pas encore, vous avez le temps. Vous prendrez bien encore un peu d'Armagnac. N'est-ce pas qu'il est bon ? Il est extraordinaire, mais il faut absolument que je rentre. Vraiment ? Alors dans ce cas, je vais vous reconduire tous les deux. Mais non, ce n'est pas la peine. Mais non, parrain, ne te dérange pas, voyons, tu dois être fatigué. Mais ça ne me dérange pas du tout. Et, de toute façon, je dois mettre la voiture au garage. Merci encore, tout était vraiment exquis. Bonsoir. Ça dépend. Robert est légèrement agacé par l'obsession gastronomique de M. Courtois. Robert est agacé, agacé. Robert est légèrement agacé par l'obsession gastronomique de M. Courtois. J'adore les histoires de crime. Moi aussi. Qu'est-ce qui agace Robert ? J'adore les histoires de crime. L'obsession gastronomique de M. Courtois. 3. Non, je vais vous reconduire tous les deux. Je vais vous reconduire. Je déteste ça. Je vais vous reconduire tous les deux. Vous aimez les romans d'amour ? Pourquoi Robert ne peut-il pas s'échapper avec Mireille ? Bah non, je déteste ça. 4. Vous êtes l'Américain. Parce que M. Courtois veut les reconduire tous les deux. Bien sûr, puisque nous sommes Américains. Monsieur, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, je dois mettre la voiture au garage. Je dois mettre la voiture au garage. De toute façon. De toute façon, je dois mettre la voiture au garage. Pourquoi est-ce que ça ne dérange pas M. Courtois de raccompagner Mireille et Robert ? Eux, ils sont américains, mais moi, je suis brésilien.
parce qu'il doit mettre la voiture au garage. Monsieur Courtois reconduit Mireille et Robert chacun chez eux. D'abord, il s'arrête devant le 18, rue de Vaugirard, où habite Mireille. Robert accompagne Mireille jusqu'à sa porte. Elle appuie sur un bouton, la porte s'ouvre. Robert a juste le temps de demander... Quand est-ce que je pourrais vous revoir? Je ne sais pas. Donnez-moi un coup de fil lundi matin vers 9h, au 43, 26, 88, 10. Bonsoir et bonne nuit. Évidemment, Robert ne se rappelle déjà plus le numéro que Mireille vient de lui donner. C'est sûrement dans l'annuaire. Robert accompagne Mireille jusqu'à sa porte. Il accompagne Mireille jusqu'à sa porte. Le monsieur. La dame. Que fait Robert quand Monsieur Courtois s'arrête devant chez Mireille? Il l'accompagne jusqu'à sa porte. Quand est-ce que je pourrai vous revoir? Quand? Quand est-ce que je pourrai vous revoir? Qu'est-ce que Robert demande à Mireille? Il lui demande quand il pourra la revoir. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images ci-dessous et écoutez les textes qui leur correspondent. 1. Ah, je suis bien contente que tu téléphones. Tu tombes bien. Écoute, viens donc demain. 2. Oh, Robert, vous voilà. Comme je suis contente de vous voir. Comme vous ressemblez à votre maman. 3. Bonjour. Jacques, tu travailles trop, ça finira mal. Tu vas me faire un infarctus. 4. Romain. Mais asseyez-vous. Comment? Je vous en prie. 5. Alors, comment allez-vous? Comment trouvez-vous Paris? 6. Je te présente M. Taylor, qui nous arrive des États-Unis. Robert, Mireille Bello, ma filleule. C'est presque notre fille. Listen and repeat. 7. Oui, toi, tu es jalouse. Toi aussi, tu es notre fille. Phase 2. Écrivez la lettre qui identifie chaque texte que vous entendez sous la photo correspondante. Beaucoup. Ah, je suis bien contente que tu téléphones. Tu tombes bien. Allez. Écoute, viens donc là. Répétez. Français. Je te présente M. Taylor, qui nous arrive des États-Unis. Robert. Mais... Mireille Bello, ma filleule. Allez. C'est presque notre fille. Inventer. Discuter. Ah, tu travailles trop, ça finira mal. Tu vas me faire un infarctus. Américain. Italien. D. Oui, toi, bien. Tu es jalouse. Toi aussi, tu es notre fille. Oh, mon Robert, vous voilà. Comme je suis contente de vous voir. Comme vous ressemblez à votre maman. Listen for the element of decision or indecision. Hesitation. Mais asseyez-vous. Je vous en prie. Est-ce que vous allez apprendre le japonais? J'ai. Peut-être. Alors, comment allez-vous? Comment trouvez-vous Paris? Tout. Les romans d'amour. 24.3, compréhension auditive. Je déteste ça. Phase 1, regardez les photos ci-dessous et écoutez les textes qui leur correspondent. Vous aimez les romans policiers? Oh, oui. Ah, bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en retard, le travail. Vous savez ce que c'est? Je ne sais pas. Ça dépend. 2. Bonsoir, la petite Mireille. Vous aimez le Je suis content de te voir, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les études ou l'amoureux? 3. Et voilà notre jeune Américain. Justement, j'irai aux États-Unis en septembre. 4. Il faudra me donner des tuyaux. 5. Un doigt de Porto, s'il vous plaît. Un doigt comme ça ou un doigt comme ça? 6. Voyons. Robert, ici à ma droite. Mireille, tu te mets là. Une jeune fille. Phase 2. Écrivez la lettre qui identifie chaque texte que vous entendez sous la photo qui lui correspond le mieux. 5. Un roman. Et voilà notre jeune Américain. Justement, j'irai aux États-Unis en septembre. 7.
Une maison. B. Et. Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en retard de travail. Vous savez ce que c'est. Une tragédie. C. Il faudra me donner des tuyaux. Le cinéma. D. 12. Voyons. Robert, 14. Ici, à ma droite. Voyage. Mireille, tu te mets là. 14. Le film. A. 15. La comédie. Un doigt de Porto, s'il vous plaît. 16. Un doigt comme ça ou un doigt la comme maison. Ça 17. F. Le jeu. Bonsoir, la petite Mireille. 18. Je suis content de te voir, ça a fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Qu'est-ce qui se passe? La victime. Ce sont les études ou l'amoureux? Le crime. 24-4, production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez entendre chaque dialogue en entier une fois, puis vous allez jouer le rôle d'un des personnages. 1. Maison. Vous êtes Madame Courtois. 2. Un douanier. Allô, marraine? Oui. Ah, ma petite minouche. C'est toi? Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? À vous maintenant. Le jeu. Allô, marraine? 6. Une aventure. Ah, ma petite minouche. C'est toi? Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Une dame. 2. Vous êtes Madame Courtois. Nine. Un aéroport. Mais marraine, je ne sais pas si je pourrais. Mais si, mais si. Seven. Écoute, une maison. Depuis le temps qu'on ne t'a pas vu. 11. Allez-y. Un chien. Mais marraine, je ne sais pas si je pourrais. 12. Le film. Mais si, 13. Mais si. Écoute, cinéma. Depuis le temps qu'on ne t'a pas vu. 14. 3. Une vous êtes Robert. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Whisky, Campari, Équerès, Bagnus, Pastis, Porto. Un doigt de Porto, s'il vous plaît. À vous. 17. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Whisky, Campari, Équerès, Bagnus, Pastis, Porto. 19. Le roman. Un doigt de Porto, s'il vous plaît. 4. Vous êtes Madame Courtois. La comédie. Ah, du potard. Oui, enfin non. Plus exactement, c'est du gazpacho. 418. C'est à vous. Oral. Liaison. Ah, listen and repeat. Du potard. Un Brésilien. Un Américain. Oui, enfin non. Plus exactement, c'est du gazpacho. 5. Les romans. Vous êtes Mireille. Les histoires. Monsieur Taylor, vous ne buvez pas? Les regardez romans. Mireille. Les moi, j'ai un faible pour le chablis. À vous maintenant. Comment vas-tu? Monsieur Taylor, vous ne buvez pas? Regardez Mireille. Moi, j'ai un faible pour le chablis. 6. Vous êtes Madame Courtois. Ce gigot est fameux. J'ai un petit boucher qui me sert très bien. Il a toujours de la très bonne viande. 422. Activation. Allez-y. Or composition. Ce gigot est fameux. You will hear 10 sentences. Indicate whether each one is about a young man. J'ai un petit boucher qui me sert très bien. Il a toujours de la très bonne viande. 1. Il 7. Est américain. Vous êtes Madame Courtois. 2. Conception, intention de ne pas renverser l'agrément versé. Elle est africaine. C'est le dessert préféré de Mireille. Il est canadien. C'est à vous maintenant. Conception, intention de ne pas renverser l'agrément versé. 6. Elle est hollandaise. C'est le dessert préféré de Mireille. 8. Il est vous êtes Robert. Ne partez pas encore, vous avez le temps. Vous prendrez bien encore un peu d'Armagnac. N'est-ce pas qu'il est bon? Il est extraordinaire, mais il faut absolument que je rentre. À vous. Ne partez pas encore, vous avez le temps. Vous prendrez bien encore un peu d'Armagnac. N'est-ce pas qu'il est bon? Il est extraordinaire, mais il faut absolument que je rentre. 9. Vous êtes Mireille. Quand est-ce que je pourrais vous revoir? Je ne sais pas. Donnez-moi un coup de fil lundi matin vers 9h. À vous. Quand est-ce que je pourrais vous revoir? Moi, je préfère une Française. Je ne sais pas. Donnez-moi un coup de fil lundi matin vers 9h. You say, moi je préfère une Française. Oui. 24-5, observation, prononciation, E instable. Je préfère un Américain. Écoutez.
À demain. Viens donc demain. Ma petite minouche. Ma chère petite minouche. Je préfère une mexicaine. Mon petit pastis. Mon cher petit pastis. Moi, je préfère un mexicain. Sûrement. Justement. Je préfère un italien. Surtout, ne manque pas d'y aller. Il ne manque pas d'y aller. Je n'aime pas le gigot. Je préfère une brésilienne. J'aime le gigot. Il faudra me donner son adresse. Téléphonez-moi pour me donner son adresse. Je préfère un suédois. 24-6, activation orale, prononciation E instable. Moi, je préfère. Observez si E est prononcé ou non et répétez. Qu'est-ce que tu deviens ? Je ne sais pas. Moi, je préfère un danois. Donne-lui un coup de téléphone demain. Je préfère une algérienne. Il sera ravi de faire ta connaissance. Moi, je préfère un algérien. Qu'est-ce que je peux vous offrir ? Je préfère un cubain. Qu'est-ce que je te donne ? Moi, je préfère une cubaine. Quand est-ce que je pourrais te voir ? Je préfère une anglaise. 24-9, activation, moi, discrimination auditive, appréciation ou recommandation. Je préfère un vietnamien. Pour chaque énoncé que vous allez entendre, déterminez s'il s'agit d'une appréciation ou d'une recommandation. Cochez la case appropriée. 1. Votre potage est délicieux. 1. Elle est américaine. 2. Cet armagnac est extraordinaire. 2. Il est américain. 3. Je crois que ça vous plaira. 3. Il est africain. 4. C'est mon dessert préféré. 4. Elle est cubaine. Au moins, j'ai un faible pour le chablis. 6. Goûtez. Elle est mexicaine. 7. Vous m'en direz des nouvelles. 6. Il est mexicain. 8. Ce gigot est exquis. C'est une merveille. 7. Elle est cambodgienne. 24-11, activation écrite, dictée, remerciement. Écoutez et complétez. 8. Il est cambodgien. 1. Merci encore. Tout était vraiment exquis. 9. Elle est italienne. 10. Il est canadien. Quelle charmante soirée. 11. Elle est brésilienne. 3. Je ne sais comment vous remercier. 12. Il est brésilien. 24-16, activation orale, futurs irréguliers. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Je me demande si nous allons avoir le temps. Vous dites. Bien sûr que nous aurons le temps. 2. Je me demande si Mireille va essayer de contacter Madame Courtois. Bien sûr qu'elle essaiera. Les jeunes filles vont être françaises. 3. Robert se demande si les Courtois vont être gentils avec lui. Bien sûr qu'ils seront gentils. L'histoire va 4. Être amusante. Robert se demande si Mireille va devoir rentrer chez elle à midi. 4. Les histoires vont être amusantes. Oui, bien sûr qu'elle devra rentrer. 5. Robert se demande si Mireille va venir chez les Courtois. 5. Le Brésilien va à la cité. Bien sûr qu'elle viendra. 6. Il se demande si Madame Courtois va retenir Mireille à dîner. Les Brésiliens vont à la cité. Bien sûr qu'elle la retiendra à dîner. 7. Robert se demande s'il va falloir partir avec Monsieur Courtois. Oui, il faudra partir. Les Américains ne vont pas à la cité. 8. Robert se demande s'il va revoir Mireille. Oui, bien sûr qu'il la reverra. 9. Je me demande si Robert va pouvoir trouver le numéro de téléphone de Mireille. Mais oui, bien sûr qu'il pourra. 10. Je me demande s'il va faire beau demain. Answer according to the example. You hear. Bien sûr qu'il fera beau. Vous parlez bien français, vous deux ? 24-17, activation orale. Futurs irréguliers. Répondez selon l'exemple. Est-ce que tu parles français ? Vous entendez. 1. Mais vous, Mireille et Robert vont aller au cinéma ? Vous dites. Mais non, ils n'iront pas au cinéma. Français, madame. 2. Robert va s'ennuyer chez les Courtois. Il parle très bien français. 4. Mais non, il ne s'ennuiera pas. 3. Robert va mourir de faim. Oui, elle parle très bien français.
Non, il ne mourra pas de faim. Robert parle français. 4. Les Courtois vont savoir que Mireille et Robert se connaissent. Ils parlent très bien français. 6. Est-ce que les étudiants parlent français? Ils ne sauront pas. 5. Monsieur Courtois va apprécier les fast-foods américains. Très bien français. 7. Et moi, est-ce que je parle français? Non, il n'appréciera pas. 6. Mais oui, Madame Courtois va servir le café à table. 4:30, activation oral. Present indicative of ER. Non, elle ne le servira pas à table. 7. La bonne portugaise va renverser la crème renversée. Oui, j'arrive. 2. Mais non, elle ne la renversera pas. 8. Oui. Robert va reprendre de l'armagnac. 3. Est-ce que tu étudies? Oui, non, j'étudie. Il ne reprendra pas d'armagnac. 4. Est-ce que tu commences? Robert va pouvoir partir seul avec Mireille. 5. Est-ce que vous écoutez tous les deux? Non, il ne pourra pas. 24-18, activation orale, forme du futur. Est-ce que vous aimez parler français? Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Je ne peux pas aller chez les Courtois. Ils ne m'ont pas invité. Vous dites? J'irai chez les Courtois quand ils m'inviteront. 2. Il ne peut pas aller en France. Il ne sait pas le français. 8. Est-ce que Mireille aime discuter? Il ira quand il saura le français. Oui, elle aime discuter. 3. Je ne peux pas lui en parler. Il n'est pas revenu de voyage. Oui, ils aiment ça. Je lui en parlerai quand il reviendra. 4. On ne peut pas servir. Monsieur Courtois n'est pas là. On servira quand il sera là. 5. On ne peut pas passer à table. Ce n'est pas prêt. On passera à table quand ce sera prêt. Vous êtes français tous les deux? 6. On ne peut pas passer à table. Il n'est pas 8 heures. 2. Vous êtes française toutes les deux? On passera à table quand il sera 8 heures. 7. On ne peut pas passer à table. Le gigot n'est pas cuit. Non, je suis américaine. On passera à table quand le gigot sera cuit. Et toi, tu es française? 8. On ne peut pas aller à Chartres. Il ne fait pas beau. Non, je suis américaine. 5. Les jeunes gens. On ira à Chartres quand il fera beau. 9. Ils sont américains. Robert ne peut pas demander son numéro à Mireille. Et moi, ils ne sont pas seuls. Non, tu es américain. Il demandera son numéro quand ils seront seuls. 10. Je ne peux pas lui donner mon adresse. Il ne me l'a pas demandé. 1. Georges va bien? Je lui donnerai mon adresse quand il me la demandera. 11. Je ne peux pas lui en parler, je ne le vois jamais. Non, je suis malade. 3. Philippe va bien? Je lui en parlerai quand je le verrai. Non, il est malade. 24-20, activation orale, qui pronom relatif? Répondez selon l'exemple. Ils sont malades. Vous entendez? 1. Robert va chez les Courtois le surlendemain. C'est un vendredi. Nous sommes malades. Vous dites? Robert va chez les Courtois le surlendemain, qui est un vendredi. Non, je suis malade. 2. Madame Courtois a une bonne, c'est une excellente cuisinière. Non, tu es malade. Madame Courtois a une bonne, qui est une excellente cuisinière. 3. Nous aurons un jeune Américain, il est charmant. Nous aurons un jeune Américain qui est charmant. 436, activation. Nous aurons un jeune Américain, il ne connaît personne. You will hear a dialogue between Robert. Nous aurons un jeune Américain qui ne connaît personne. 5. Nous aurons un jeune Américain, il sera ravi de faire ta connaissance. Ça dépend. Vous aimez les romans d'amour? Ah non, je n'aime pas les romans d'amour. Je déteste. Nous aurons un jeune Américain qui sera ravi de faire ta connaissance. Repeat. 6. Vous aimez les romans? On sert un potage. Oh oui. Il est excellent. Enfin, ça dépend. On sert un potage qui est excellent. Vous aimez les romans d'amour? 7. Ah non, je n'aime pas les romans. Monsieur Courtois sert un château Lafitte. C'est une merveille. Answer. Monsieur Courtois sert un château Lafitte qui est une merveille. 8. J'ai mangé à Dijon des œufs brouillés. C'était des merveilles. J'ai mangé à Dijon des œufs brouillés qui étaient des merveilles.
24-24, activation orale, dialogue entre Madame Courtois et Robert. Vous allez entendre un dialogue entre Madame Courtois et Robert. Écoutez bien. Vous allez apprendre les répliques de Robert. Vous partez déjà ? J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... Ça fait combien entre New York et Paris ? 6 heures. Je tombe de sommeil. Mais ne partez pas encore. Vous avez le temps. Vous ne voulez pas prendre encore un peu d'Armagnac ? Non, merci. Il est très bon, mais il faut absolument que je rentre. Répétez. Vous partez déjà ? J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... Ça va être un film. Et dans le film, nous allons avoir... Ça fait combien entre New York et Paris ? 6 heures. Je tombe de sommeil. D'accord, nous allons avoir un chien et une jeune fille. Mais ne partez pas encore. Vous avez le temps. Vous ne voulez pas prendre encore un peu d'Armagnac ? Non, merci. Il est très bon, mais il faut absolument que je rentre. Tu vas être le chien. Ah, non. Répondez. Tu vas être la jeune fille. Vous partez déjà ? C'est toi qui vas être le chien. Bon. Alors, nous allons aller en France. Ça fait combien entre New York et Paris ? Pourquoi ? Mais parce que ça va être... Mais ne partez pas encore. Vous avez le temps. Vous ne voulez pas prendre encore un peu d'Armagnac ? Nous allons aller à Paris. Nous allons arriver à l'aéroport. Tu vas avoir un passeport. End of lesson 24. Copyright 1987, Yale University. Ou mexicain. Ou afghan. Nous allons passer la douane. Le douanier va dire, vous êtes français tous les deux ? Je vais dire, non, moi je suis japonaise. Et lui, il est danois. Le douanier va dire, ah, vous parlez japonais ? Et je vais dire, oui, bien sûr, puisque je suis japonaise. Le douanier va dire, bon, passez. Et voilà, nous allons prendre un taxi et nous allons arriver à Paris. Four 40. Self-testing exercise. Gender of nouns, il, elle, un, une, masculine, feminine adjectives. You will hear 10 sentences. Decide whether each sentence contains a masculine or a feminine noun and check the appropriate box. 1. Il est étudiant. 2. Elle est canadienne. 3. C'est une maison. 4. Il est espagnol. 5. C'est une espagnole. 6. Il est japonais. 7. C'est un espagnol. 8. C'est un cubain. 9. Elle est suédoise. 10. C'est un arabe. End of lesson 4. Copyright 1987, Yale University.